Bonheur, nouvelle. Elle est vivante. C'est caractère de la vie. Tu dois donner une bonne vie. Une bonne nouvelle. Alors toi, tu es là. Regarde. Bonjour, de maison. Bonjour. Ah, là aujourd'hui, ah, là, elle commence à comprendre petit à petit. Dis à ta femme, vas-y, voir. C'est pas ma femme, c'est ta femme. Dis à ta femme, je veux voir. Tu veux dire quoi? Vous voyez? Comment tu vas aujourd'hui? Tu es bien réveillé? Ça va? Ça passe? Regarde les gens, même les mariés, le marié ne savent même pas communiquer. Ils communiquent pas. La méta. Attends, la métacommunication. Ça doit être une vie, fait partie de nous. La communication. Alléluia. La parole. Elle est vivante. Elle n'est pas morte. Comment tu vas? Ah, si tu savais. Tu commences la parole par une parole qui est comment? Morte. Elle n'est pas vivante. Et donc, moi, c'est pas une parole qui est comment? Vivante. Ésaïe 61 nous dit, je répète, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne. La première chose que tu dois savoir faire dans ta vie, quand tu vois une personne, c'est annoncer quoi? La bonne. Alléluia. Amen. Mais regarde le chrétien d'aujourd'hui, au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, il ne sait pas annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Comment ça va? Et on va faire. Directement, la personne dit quoi? La réponse, c'est quoi? Il n'est pas une parole qui est vivante. Il va annoncer quoi? Une parole qui est morte. La personne commence à faire quoi? À te tuer au lieu de te donner la vie. Combien de chrétiens se tuent au lieu de donner la vie, se tuent? Et c'est le démon? Non, ce n'est pas le démon! C'est la communication. Et surtout comme ces affaires là, ici, là. Vos affaires ici, là. Hein? Bonjour. Comment ça va? Bon, tu as attendu, hein? Tu as vu, hein? On t'a dit bonjour, on t'a pas dit comment tu as attendu, tu as vu. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. On t'a dit bonjour. On t'a pas dit tu as attendu, tu as vu. Non, on t'a dit bonjour. Tu dois commencer par bonjour. Et là, le médecin te dit que tu sois béni. Alléluia! Amen. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était qui? Et tu es avec qui? Hein? Au commencement, était là. Et la parole était avec. Elle est venue chez le ciel. Hein? Et cette parole, c'est qui? C'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand moi je te vois, alors, Annie, ici. Allez, ton tout ici. Ici. Allez ici. On, comment ça fait ma fille? Comment je. Viens. C'est comment son accord? Oh non. Allez, j'ai oublié ça. C'est pour ça que j'avais dit le matin. Hein? Au commencement était. Écoutez-moi bien, au commencement était là, et la parole était avec eux, hein? Elle est venue chez le sien, hein? Quoi, là, quand tu vas ta soeur, ou bien que toi, oh, tu vas ta soeur, qu'est-ce qui va se passer? Regarde. Qui t'a dit? C'est lui qui l'a montré là. Non, je n'ai même pas regardé là-bas. Ça va? Et la famille? Ça va? Tes enfants, ça va? Tout le monde va bien ici.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi? Je t'ai découvert quoi là? La parole. Qui est vivante, qui est efficace. Au commencement était la parole. Le Seigneur nous a dit, quand ta soeur va te voir, il va voir en toi la fille de Dieu. Quand toi tu vois la fille de Dieu, ah, vous commencez maintenant à faire quoi? À communiquer. À parler. Alléluia. Amen. À faire quoi? À communiquer, à parler avec joie. Et c'est là. Regardez les traits d'aujourd'hui. C'est là après avoir communiqué, à parler, à dialoguer, que tu vas savoir, ok, ta soeur dit, ok. Ma soeur, on a parlé de mais il y a cette situation. Amen. Amen. Alors, quand il y a cette situation, maintenant, tu dis, ok, il y a cette situation, on va trouver une bonne nouvelle dans cette situation. On doit transformer et changer. Parce que nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Alléluia. Amen. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité de changer les choses, le cours de la vie. Alors qui commence à dire, ma soeur, tiens malade. Oh, allez, on va se. Pardon, tu es la femme de tout. Tu as touché, tu dis comment j'ai touché. Tu as touché. Ah, tiens malade. On va faire quoi hein? On va prier. Alléluia. Amen. On va faire quoi? On va prier. Toucher. Tiens, pardon. Oh, tu es le chrétien d'aujourd'hui. On va faire quoi? On va prier. Et prier, c'est quoi? C'est communiquer, dialoguer, donner le souffle de la vie par la parole qui est vivante. Le mot, c'est le mot que tu as, mot vivante. Qui va donner la vie? Ta soeur est malade maintenant. Attention, qu'est-ce que tu vas? Non, j'ai mal là. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois communiquer. Communiquer en faisant quoi? Ah, prier. Ok, tu mets ta main, tu vas faire ta main, regarde, tu mets ta main, là. Maintenant, on va prier. Alléluia. En prière, tu communiques quoi? Là, la vie qui est en toi, la vie de qui? Du Seigneur et Sauveur, hein? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas t'asseoir, comment tu vas? Regarde. Tu commences à avoir à tousser. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois ton frère, ta soeur, même de loin. Moi j'aime les musulmans. J'ai répété quand j'aime les musulmans. Les musulmans quand tu veux. Alléluia. J'ai un ami à moi qui est musulman. Mais à la venue, à la première. Au magasin Discount. Quand il m'envoie, dès-le, il m'a fait me sécuriser. Monsieur Kiro, comment ça va? Alléluia. Amen. C'est un musulman. Alors tout le monde, je vais dans la rue, quand il me regarde, il est tiré, mais je n'ai pas la croix. Il est tiré, il dit, et moi j'ai dit, alléluia, maman, comment ça va? Ça va bien? Oui, ok. Alléluia. Amen. Et puis lui, il me voit. Et il me dit, comment va ta femme? De loin, hein? Comment vont tes enfants? J'ai vu tes enfants, la femme, ils ont grandi. Et il dit, oh, ils ont grandi! C'est ça, fait quoi? Communiquer. La parole de Dieu, elle est comment? Elle est vivante. Et donne quoi? Hein? La vie. Amen. 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 Quand tu vois ton frère, ta soeur, tu dois donner la vie. Il n'y a pas besoin d'être ancien. Non, la vie d'abord. Parce que la vie donne tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie donne tout. Dès la personne qui est à l'autre, la vie donne tout. La vie donne tout. La vie donne tout. On peut aller s'asseoir. Non. Merci. Donne la vie à ta femme. Donne la vie. Quand tu veux donner la vie, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, prie, on va voir. Comment tu pries? Regarde maintenant, regarde comment elle va prier. Tu pries la main quelque part? Ah non, hein, ce n'est pas à nous de lui donner la réponse. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à nous de lui communiquer. Non. Quand tu vois ton frère, ta soeur. Alléluia. Viens, viens, Olivier, regarde. Viens, Olivier, viens. Que tu sois béni. Que l'éternel te bénisse, ma soeur, en tout cas. Je suis contente.
Écoutez le mot qu'il a dit. Je suis contente de te voir. Bonne santé. Ah ah. Bénisse ma soeur. Ah ah. Amen. Ah, toi aussi. Les gens doivent être habitués à communiquer. Mes amis. Alléluia. 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 Chérie, donne ta femme ton enfant. Donne la femme dans ta femme. Viens ici. Communique avec tes frères là. Viens voir. Allez. Va communiquer avec ton frère. Viens voir. Communique avec ton frère. De quoi? Oui, toi, c'est toi. Non, je dois faire quoi? Communiquer. La parole, car la parole donne de Dieu est vivante. Donne la vie. Très bien, et toi? Et le gars, écoutez, tu vas bien. Je suis content d'être avec toi, c'est toi? Oui, très content. Ça a été la louange. Ah oui, c'est un moment très profond. Seigneur, tu as aimé la louange? Ouais. Ah, voilà! C'est ça la communication. C'est ça la parole de Dieu, le combat, hein? Vivant! Alléluia! Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils viennent à l'église, on a chanté, on a dansé, quand on a fait l'église. Allez, on vient au bar, on sort le café, mais quand tu termines, alléluia. À dimanche. Tu ne connais pas même la vie de la personne. Le fait de donner, c'est que la parole qui donne la vie. Une parole seulement peut transformer la vie de la personne. Une parole seulement de vie que tu proclames. Alléluia. Peut transformer la vie de la personne. Peut-être ça fait 10 ans que la personne a entendu cette parole-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci, soyez bénis. Vous dire. La parole, elle est vivante. Elle est efficace. C'est-à-dire, elle produit quoi? L'effet. L'effet. E-F-F-E-T. Cette parole qui est vivante. Qui est efficace. Efficace. Elle produit les faits. Parce qu'elle est efficace. Et ta parole est efficace. Oui. Celui qui sait que c'est devant le nom du Seigneur et Sauveur. Hein, Jésus-Christ, même les démons. Fais quoi? Fouille. La parole que tu proclames, qui est efficace? Qui est la parole qui est le Seigneur? Quand tu proclames cette parole, elle est efficace. Elle produit le fait. Quand quelqu'un a un démon, une personne a un démon, quand tu dis au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, directement, il y a quoi? Il y a le fait de la parole. Ta parole, elle est efficace. Ta parole, elle est efficace. Elle produit l'effet. Est-ce que ta parole produit l'effet? Devant toutes situations, ta parole, elle doit produire quoi? L'effet. Elle doit être efficace. Parce que la parole qui est à toi, elle est vivante, elle doit être efficace. Elle doit produire l'effet. Mais quand toi tu vas, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, est-ce que ta parole n'est plus efficace à ces quatre-là? Alléluia. Alléluia. Elle doit produire quoi? L'effet. Alléluia. Amen. Elle doit produire quoi? L'effet. Dès que tu proclames la parole, elle doit produire les faits. Regardez les chrétiens, ou bien des païens. Leur parole produit l'effet qui est comment? Positif ou négatif? Les païens. Négatif toujours. Et d'ailleurs. Regardez les informations. Regardez les paroles qu'on nous bombarde. Ce sont des paroles qui sont négatives. À la télévision, le
les informations, vous regardez les paroles, ils sont négatives. C'est ce qu'on dit. Tu as dit ce qui s'est passé à Lévi. Et ça a commencé hier, ça a commencé il y a 2 siècles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment les gens tombent dans la dépression? C'est à cause de quoi? De la parole? Alléluia. Amen. La dépression, comment les gens tombent dans la dépression? C'est à cause de la parole. Vous croyez que c'est à cause de quoi? C'est à cause de la parole qu'ils ont entendu une parole. Tu sais. Oh, la parole est efficace. Elle ne tombe pas la dépression. Amen. Elle est efficace, elle ne tombe pas la dépression. Elle donne la vie. Hein? Qui a levé ça? On a levé la parole là. On t'a dit d'enlever la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle est vivante, efficace. Elle est comment? Pénétrante. Plus tranchante. Pénétrante. Je peux dire, docteur. Regardez. Alléluia! L'école va, n'est-ce pas? Ta parole est comment maintenant? Elle est tranchante, mais la parole de l'Éternel, elle est tranchante. Elle tranche quoi maintenant? Elle tranche quoi? Comment ça a passé? Elle tranche quoi? Je sais quelque chose aussi. Elle tranche quoi? Commencez à réfléchir. Hein? Elle tranche quoi? Elle tranche quoi? Plus tranchante. Qui n'est pas? Regardez-moi. La parole maintenant, puisque c'est couteau là qui fait comme ça. Quand elle a la parole de l'Éternel, elle partage. C'est ton âme là. Ton âme est là. Regarde-la, regarde-toi. Quelle est ton âme? Quelles sont tes pensées? Quels sont tes sentiments? Quelles sont tes émotions? Quelles sont tes paroles? Mais elle est comment? Regardez, coin, la parole est efficace et vivante, puisque une épée à double tranchant. La parole, donc la parole, dit quand elle vient, elle dit toi là, regarde ta vie. Alléluia. Amen. Qui peut tenir devant le Seigneur Dieu? Qui peut te dire? Personne. Donc, mes amis, quand nous entendons la parole, attention. C'est la raison pour laquelle l'ennemi ne veut pas que les gens puissent connaître la parole, puissent appliquer là la parole de l'Éternel. C'est une épée pénétrante qui partage les sentiments, émotions, mauvais. Ce que tu penses, écoutez-moi bien très bien. Ce que je pense, qui connaît ce que, c'est la parole qui connaît ce que je pense. Je peux vous cacher quelque chose, mais la parole, elle connaît ce que je pense. La parole, elle connaît ce que tu penses. À la minute, à la seconde, parce qu'elle est vivante, elle est efficace. Elle est une épée! Une épée! Dire à la personne que la parole est une épée. Attends. La parole est une épée.
Il appelle cette une lame. Pointi. Ah ah. Où est mon couteau là? J'ai pas mis le couteau là. Pointi. Ah ah. L'épée est aussi dangereuse. T'es, tu rigoles, t'es, tu rigoles, un de mon mari, toi ma femme, toi mes enfants. Regardez maintenant, la parole vient. Piou! Ah oui, hein? Tu trompes la personne, tu es la personne. Regardez dans ton cœur, il est là. Tu es la haine, tu es l'envie, tu es la jalousie, tu es le querelle. Le père va venir pour le voir. Oh! Étrange. Et puis tu vas te dire, ah non, c'est le démon. Ce n'est pas les démons. Écoutez-moi, c'est quoi là? Parole. Une épée. Si j'avais une pomme là, je vais vous couper pour faire un peu. Vous voir comment ça coupe. Une épée, comment ça coupe. De la même manière, la parole coupe quand tu rentres dans ton cœur. Elle dit, toi, là, tu joues avec moi, tu joues avec l'éternel. Regarde comment tu penses, comment tu réfléchis, comment tes sentiments, tes émotions, tes tempéraments. Regarde, 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 regarde. Alléluia. Alléluia. À qui on peut tromper à qui? On se trompe soi-même maintenant. Vous comprenez maintenant la solution? On se trompe soi-même. Parce que la parole de Dieu dit, hé. Moi je suis une épée. Il arrive. Quand tu as dit, elle fait comme ça pour moi. Tu vas voir aujourd'hui là. Tu vas voir. Et puis le problème est quoi? Les chrétiens commencent à prier. Regarde, Seigneur, je chasse le démon. La parole dit, tu chasses le démon. Elle vient vers toi. Toi-même. Elle te frappe toi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une épée, la parole de l'éternel, c'est une épée. Quand ça pénètre dans ton cœur, dans ton âme, tu es nu, à nu, nu, à nu, nu, à nu. Tu peux me tromper, je peux te tromper. Est-ce que je vais tromper la parole? Il y a la personne qui est. Tu peux tromper la parole, il y a la personne qui est. Et la parole c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu ne vas pas tromper le Seigneur et sauveur, hein? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle va diviser maintenant. Elle va diviser. Parce que le chrétien, parfois, se cache. Hein? Hein, le chrétien se cache. Elle dit non, écoute, non. Moi aujourd'hui, je ne veux pas aller à l'église. Non. La minute, écoutez-moi bien. La minute, la seconde, tu commences à penser cela. Saint-Esprit vient avec son petit. Regarde ce que tu vas faire. Demain, tu n'iras pas à l'église. Demain, tu ne prieras pas. Aujourd'hui, tu ne prieras pas. Aujourd'hui, tu ne verras pas ta parole de l'éternel. Le père commence à te dire attention, je vais piquer. Je vais piquer là où ça va faire mal. Je vais piquer là où ça va faire mal. Toi là, tu me racontes, tu m'écoutes. Il y a toute la semaine. Comment tu as prié la parole? Est-ce que tu as lu ta Bible? Combien de versets as-tu retenu? Combien de versets as-tu retenu? Une semaine. De lundi à dimanche, combien de versets? Un verset. C'est du mal, un verset que tu sais. Ça se trouve dans tel livre. Ça, c'est le livre. Tu connais le livre. Si en Jean, ou bien Matthieu, à Luc, à Marc, ou bien c'est en Ancien Testament, à Prophète. Oh! Et regarde là, ça commence à taper fort. Hein. C'est ce que tu as retenu pendant une semaine. C'est ça ton épée, non? Pourquoi tu n'utilises pas ton épée? Tu ne sais pas comment tu sais qui est la parole de l'éternel. Alors qu'est-ce que tu vas utiliser?
tu as retenu, Daniel, que tu as retenu cette semaine? Pas que tu avais retenu il y a deux semaines. Cette semaine-là. Vu que ça me concernait, tout ce que vous demanderez par la prière, croyez-vous. Non, ça s'est trouvé où? Ça s'est trouvé où? Marc 11, 24. Marc 11, 24, ça s'est dit quoi? Tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Donc, il ne faut pas douter. Il ne faut plus douter. Ah, je t'ai dit que ça me concernait. Alors, c'est le père, regarde maintenant. Je vais venir avec le couteau là, tu vas voir. La parole là, c'est le père. Regardez, ça sort de ta bouche, n'est-ce pas? Pas dans ma bouche. Répète, à haute voix, répète. Tout ce que vous donnez. Regarde, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Hein? Croyez que vous l'avez reçu. Donc, si tu doutes là, le père là veut faire quoi? Ah! 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 Donc, vous là, moi, on n'a pas la place pour douter. On n'a pas la place pour douter, les doutes méthodiques de Descartes. Rien à faire. Vous n'avez pas la place pour douter. Quand vous proclamez, il y a une épée là qui me regarde. Qui est la parole que je vais dire? Comment la proclamer? Il y a une épée devant toi. Alléluia. Il y a une épée devant toi. Alléluia. La parole, c'est une épée. Elle est vivante, efficace. Hein? Elle va pénétrer jusqu'à partager. Amen. Regarde ton âme. C'est de tes sentiments, tes émotions, tempéraments. Regarde, ça veut dire quoi? Regarde. Tes sentiments là, tes émotions là, ça veut quoi? Tes sentiments là, tes émotions là. Alléluia. Alléluia. Tes sentiments là, tes émotions là, et va au boulot. Tes sentiments là, tes émotions là. Alléluia. 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 Maintenant, partage ton âme. Siège des sentiments et des émotions. Regardez tes sentiments que j'en fais depuis le 10 d'aujourd'hui. Ça va, hein? Quand vous arrivez devant une personne, écoutez-moi bien. La personne commence à parler des paroles négatives qui sortent de là. Alléluia! Alléluia! Dis à la personne qui est arrivée là, quand tu commences une personne avec des paroles, tu fous là. Dis à la personne qui est arrivée à toi. Quand tu entends une personne commence à proclamer des paroles négatives, tu fous là. Dis à haute voix, vous avez honte? Daniel, si je t'écoute, je fouille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ton âme doit prospérer. Doit être en bonne santé. Hein? Quand ton âme est malade, tu es malade maintenant. Alléluia. Quand l'âme est dans la prison, et toi tu es dans la prison. Quand ton âme, je répète, quand ton âme est dans la prison, et toi tu es dans la prison, pensée négative, des problèmes, des obstacles, et je ne sais pas si tu as dit, je t'entends, parce que ton âme est dans la prison. Parce que la parole de l'Éternel est venue, tu as dit, oh non. Alléluia. Ton âme est où? Ton âme est où? Alléluia. 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 Dis à la personne, où est ton âme? Dis à la personne à qui vous êtes, où est ton âme? Hein? Où est ton âme? Et j'ai des sentiments, des émotions. Où est ton âme? Hein? Où est ton âme? Hein? Elle est dans la prison? Elle doit sortir de la prison. Alléluia. Parce que la parole, c'est une épée. Il va me dire, voilà,
tes sentiments. De pensées négatives. Sors là. Regarde les gens. Regarde les gens avec le terrain. Ton âme est où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, ça me va. Quel est je souhaite que tu prospères selon ton âme. Donc c'est l'âme qui est à la base. Si l'âme ne prospère pas, tu ne peux pas prospérer. Oh, l'âme est le sentiment. C'est des sentiments. Et moi, c'est un bébé. Quand ça ne va pas, qu'est-ce qui va te prospérer maintenant? Rien dit. Le père qui est la parole va venir. Hein? Il va surmager. Il ne peut pas entrer dans l'esprit gentil, moi aussi, etc. Les autres sentiments. Tes pensées, quelles sont tes pensées? Regardez-moi, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, dimanche, etc. Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Quelles sont mes pensées à moi? Alléluia! Et puis on commence à accuser, c'est l'autre. On commence à accuser, c'est l'autre, c'est l'autre. Non, c'est toi, ce n'est pas tes pensées, ça c'est l'autre qui est venu. Est-ce que l'autre peut être tes pensées? Mais c'est toi quand tu proclames la parole, je ne pense pas la parole. Quand tu proclames la parole, lui va prendre la parole et tu proclames, commence à t'effectuer maintenant des pensées négatives. Allez, laisse-moi, laisse-moi. Mais c'est tes pensées, mais qui a proclamé? Qui a programmé les paroles négatives? C'est toi. L'autre va se saisir de ta parole négative, va influencer tes pensées. Alléluia. Amen. Il va influencer tes pensées. Vous croyez que les gens vont aller se jeter sur le train pour se suicider là? Ça commence où? C'est par les paroles. Et puis ça vient où? Dans les pensées. Et puis les actes. Allez! Va te jeter! Allez, un pigouin. Parole, pensée, action. Regarde-moi. Allez, on y va. Parole, pensée, action. On y va. Parole, pensée, action. Parole, pensée, action. Ta parole doit être comment, hein? Efficace. Elle doit être comment, hein? Vivante. Sinon, parole. Pensée, action. C'est des paroles négatives, pensée négative, action négative. Yeah! Alléluia! Et tu commences à dire non? C'est le démon. C'est le démon tranquille. Hein? On laisse le démon tranquille. Voilà, regardez-moi. Hey. Parole. Pensée. Action. Parole, pensée, action. Quand tu commences à parler, tu dois être comment? Vivante et efficace. Tu comprends à partir d'aujourd'hui maintenant? Alléluia. À partir d'aujourd'hui, ma parole doit être vivante et efficace. Amen. 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 Si elle n'est pas vivante et efficace, ma parole, pensée, action. Pensée, action. Pensée, action. Je te l'ai dit, pensée, action. Pensée, action. Pensée, action. Parole, pensée, action. C'est la raison pour laquelle tu vois le chrétien aujourd'hui. Les actions sont négatives. À cause de ça, commencer où? Par la parole. Vous comprenez maintenant aujourd'hui? Hein? Par la parole. Quand Dieu. Dans le sujet des sentiments de ce que je t'appelle comment. Elle fait quoi? Parole, pensée, action. Parole, pensée, action. Parole, pensée, action. Parole, pensée, action. À partir d'aujourd'hui. Alléluia. Tu dois avoir des paroles. Ta parole doit être efficace et vivante. Dis à la personne qui est là. Ma parole doit être
efficace et vivante. Parce que la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole, c'est le Seigneur et sauveur Jésus. Qui est vivant et efficace. Qui est vivant et efficace. À partir d'aujourd'hui, parole, pensée, action. C'est toi-même alors qui a la clé. Regarde-moi. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Vite, vite là. Qui a la clé? Qui a la clé? Vite, vite là. Qui... Merci. Merci. Regardez-moi bien. C'est toi qui as la clé pour ta vie. Ce n'est pas quelqu'un. Amen. Alléluia. Il y a la personne qui t'écoute, qui a la clé de ta vie toi-même. Parole, pensée, action. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais terminer dans 5 minutes.